Et Roméo, il paraît qu'il faut aller voir la chambre à coucher. Moi, je m'imagine, Jean-François, quand t'écris tes tunes, ça ressemble à ça. Hein? Ouais. C'est à peu près de même, ton bureau? Les paroles te viennent? J'ai les années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de l'île se donnait un. Qu'est-ce qui se passe dans le coin ici? Une double toilette, là. Combien tu perds? 168. Ah non, ça c'est pour moi. C'est un peu sérieux, ça. C'est comme un peu l'émission, c'est quoi? C'est Décor Mag. Et là, on est dans l'hôtel Ritz-Carlton de Montréal. Ça, je trouve. Et les petites roches. Pour le sauna. Prendrais-tu un petit gratteux, me dit le caissier au dépanneur. En ouais, le gros sort. Tout ça pour combien de personnes? Juste deux. Juste deux. Des films de cul de riche à gauche, là. Des films de cul de riche à gauche et George Bush à droite. Oui, avec de l'arabe en dessous. Trois toilettes. Nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance, un peu comme le ferait un pusher. Si c'est ça le Québec moderne, mais moi je me montre. Je suis Joe Métro 93, mais je suis au Ritz-Carlton. J'ai une gomme en bas, j'ai vraiment ça dans la main, mais je suis pas. J'ai la mettre dans le cendrier là-bas. Ah, oups. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Monsieur, quand on a une gomme dans la bouche, on veut en disposer. Qu'est-ce qu'on fait avec? On fait ici. Ah! Merci. Quand vous avez commencé, donc, la perception que les gens avaient de vous, c'était un groupe de party. Tandis que maintenant, vous êtes comme le groupe du peuple, puis aussi les porte-parole d'une génération. Est-ce que ça vous plaît d'être... Est-ce que vous êtes à l'aise d'être un peu à cheval sur les deux, comme ça? Ce qui arrive, c'est que sur 10, c'est peut-être juste les textes qui sont mis en avant, le côté sérieux, le côté d'écrire des choses, et d'écrire des choses aussi. Tandis qu'en spectacle, on se laisse pas mal plus aller et on fait plus les fous. Fait qu'on reste quand même pas mal party. Puis, au passage, quand il y a une chanson qui dit quelque chose de plus intelligent, ben ça reste le point dans les airs, puis c'est sérieux quand même. T'sais. Les Américains flairant la bonne affaire sont venus faire la pièce dans le bout de Trois-Rivières. Ça va nous faire la job pour les Canadiens français. Bâtissez vos usines, puis nous, on vous donne la forêt. Avec Motel Capri, on a comme commencé justement un peu à toucher à des chansons plus sociales. Là. Il y en avait deux, trois qui étaient un peu plus... social, finalement. Pourquoi tu ris, toi? C'est le thé, hein? Non, mais c'est ça, mais on s'en venait vers ça tranquillement, mais je pense que ça a été comme une transition, là, puis avec Break Syndical, je pense qu'aussi on est plus vieux, peut-être plus... on a un regard plus critique aussi sur et lucide sur le monde qui nous entoure. Des gens qui restent accrochés au côté humoristique des Cowboys Fringants, puis d'autres qui aiment mieux le côté social, mais que, dans le fond, tout le monde trouve dans les chansons ce qui leur plaît le plus. T'sais, je sais qu'un de mes cousins, ses deux chansons préférées, c'est Marcel Garneau et Salut mon Ron. C'est pas mes préférés, mais bon, il y en a qui viennent nous voir pour ces chansons-là. On a ça, ma cousine, les poupettes étaient gravées, il y avait du rouge sur les babines, le début, petit jean avec mon cousin policier, et puis des madames badanes que j'avais pas vu depuis 10 ans, ça fait que quand c'était fait à l'âge, je me suis installé au bar, me rouler un pétard, qu'on est filmé dans mes gosses, moi, puis le cœur est volant, mon cousin, j'ai mis la brosse, puis j'ai mis chanteur de noces. Dans la première chanson de Break Syndical, dans En Berne, il y a une des paroles qui c'est « Il n'y a personne pour s'indigner ». Est-ce que vous pensez que vous êtes comme un des seuls groupes en ce moment qui cherche à stimuler l'intellect du public? Non, on n'est pas les seuls, mais en même temps, ce qu'on a fait, on essaie de créer un débat, oui. On veut pas dire aux gens, gars, pensez comme nous autres, ce qu'on dit dans nos chansons, c'est vrai. On reçoit bien des emails de gens qui sont d'accord avec nous autres, mais il y en a d'autres qui sont sur certains points, pas tout le temps d'accord. Mais c'est ça qui est le fun, ça crée un débat, puis les gens sont plus intéressés à cause sociale, à cause politique, à cause de ça. Fait que c'est ça le but, en quelque part. Là. On n'est pas des messies, des preachers qui viennent dire... On ne veut pas nécessairement devenir député non plus, se lancer en politique, etc. Merci que t'étais belle avec tes Adidas gazelle, tes cheveux longs avec des tresses qui pendaient jusqu'aux fesses. Je vous ai souvent entendu dire que ça vous tentait de voyager et, si possible, de faire une tournée ailleurs que seulement au Québec. Mais est-ce que vous pensez que la musique des Cowboys Fringants est exportable? Est-ce que ça va être facile à faire? Bien, elle est exportée, du moins par les ordinateurs. Il y a des Allemands, des Espagnols, beaucoup de Français, de Suisses, de Belges qui nous écrivent. Quand est-ce que vous venez chez nous ou on veut moins avoir vos disques, vous les envoyez chez nous, à la maison? Donc oui, ils s'intéressent à notre musique. Pas seulement notre musique, mais aux Québécois. Ils n'arrivent pas toujours à tout comprendre du premier coup, mais en lisant ou en voyant le contexte, ils viennent à comprendre. On n'est pas obligé de changer notre accent pour faire français international. C'est pas vrai. Je pense que c'est moins le fun même pour eux. T'sais.
tellement si beau. Nous autres, à Musique Plus, on a le SoundScan. Qui nous dit, puis là, je le dirai pas aux gens, même si on sait que vous avez vendu énormément d'albums, qui dit combien d'albums vous avez vendu au Canada. Mais ce qui est vraiment, franchement, très le fun, c'est qu'il est marqué Saskatchewan 39 et Alberta 173. 173 copies. As-tu le SoundScan du Nouveau-Brunswick là-dedans? Si j'ai le SoundScan du Nouveau-Brunswick. Oui. 131. Tu es en train de me dire que l'Alberta clenche le Nouveau-Brunswick? C'est exactement ce que je suis en train de dire. 611 en Ontario. Yeah, c'est correct, ça? Ouais. Manitoba, 1. Vois-tu? Manitoba, 1. On salue le Manitobain qui a acheté notre disque. Le Manitobain! Et surtout formé d'étudiants cégepiens universitaires. Qu'est-ce qui arrive quand ces gens-là, vos fans, vieillissent? Est-ce qu'ils vont être encore touchés par ces chansons-là ou vous allez vieillir avec vous? Est-ce que c'est pas... Si on vieillit avec eux, nos priorités vont changer sûrement. Et les leurs aussi. Le prochain disque va s'appeler « Nous avons maintenant des enfants ». Le disque-là, ça va être « Je cotise pour mes REER ». En fait, on a fait un spectacle à Sorel il y a deux semaines, puis il y avait un monsieur de l'âge à mes parents, mettons dans sa quarantaine, qui est venu me voir pour me dire « Comment vous faites, vous autres qui êtes si jeunes, d'écrire des textes qui réussissent à toucher ma génération à moi aussi? Je me retrouve dans vos chansons autant que la jeunesse, autant que mes enfants. » La terre entière carbure au fric, ça a l'air qu'on n'est pas dans le gamin, parce que dans le monde des gens artiste, un apogée puis un déclin. On va sûrement devenir des has-been à un moment donné, mais c'est la vie. Non, non, mais c'est vrai. Mais on est conscient, là, ça va bien, mais à un moment donné, ça va sûrement aller. On va sûrement faire des tunes avec des cuivres au Casino Montréal, sûrement. Est-ce que ça vous tente? Ça vous tente-tu? Tu me crisseras dehors avant que ça arrive jusque-là. Pas de combat, des chars.